Coach. Let's start by stating your names. Coach Sebastian Maine. And Jukens Nazon, number 9 for Haiti. Coach, votre analyse du match de ce soir? Mon analyse, c'est qu'on était venu sur cette phase de date FIFA pour prendre un maximum de points. C'est ce que les garçons ont pu réaliser en prenant 6 points, en se positionnant sur la tête de ce groupe, même s'il y a une différence au goal average avec Curaçao, mais on est dans les deux équipes qui se détachent. Donc le contrat comptable, on va dire, est rempli. Maintenant, on n'oublie pas d'où on vient, on sort d'une période difficile, il faut retrouver de la confiance. C'est difficile d'arrêter la spirale, de l'inverser et de gagner les matchs. C'est ce que les garçons ont su faire. Maintenant, il faut qu'on gagne encore en confiance et en maturité dans les prochains mois pour ne pas se mettre en danger comme on a pu le faire sur les deux matchs, alors que les matchs étaient à notre portée. Votre équipe a semblé maîtriser le match et au moment d'encaisser le but. Comment vous expliquez ça? Je vous dis, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a une possibilité de tuer le match et on a eu les balles de 3-0 et qu'on ne le fait pas, on n'est pas à l'abri d'un adversaire qui devient un peu plus farouche, qui reprend espoir, et c'est ce qui s'est passé. Mais les garçons, ce que je retiendrai, c'est le plus important, les garçons ont su réagir. Peut-être qu'il y a quelques mois, les garçons auraient craqué et Barbaz serait revenu à deux partout. Un peu à l'image de ce qu'on avait subi au match amical en Guyane, où on avait eu une expulsion, on avait eu une égalisation derrière. Mais les garçons s'étaient serrés les coudes. L'état d'esprit prédominait et on a réussi à tenir le résultat, ce qui est en football, aujourd'hui à haut niveau en tout cas, le plus important. Coach, finalement, l'objectif a été atteint pour cette rencontre. Et comme je suis toujours très critique avec mes garçons, j'en demande toujours plus. Donc le premier objectif qui était comptable est assurément atteint. Je suis très content pour eux et très fier d'eux. Ensuite, il y a plein de choses à améliorer. Mais on est là pour ça et on vient juste d'arriver. Donc tous ensemble, on va faire en sorte... et dès le mois de septembre, puisqu'une nouvelle compétition arrive, voilà, on va tâcher de redevenir ambitieux, de replacer Haïti sur la scène continentale. Les garçons sont sur le bon chemin. Une question pour Dugens Nazon. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans ce match, Nazon? Je pense que le plus difficile, ça a été de rester concentré. Au bout d'un moment, on a levé le pied. Tout le monde levait pied haut dans ce match-là. Je pense que respecter l'adversaire, c'est aussi lui mettre des buts et jouer au maximum jusqu'à la fin. Après, il y a différents facteurs comme la chaleur, etc., le rythme et tout dans le match. Mais dans l'ensemble, comme le coach a dit, tout a été respecté. Il faut voir le positif dans tout ça, c'est qu'on a pris les 6 points et qu'on se place en première position ex aequo avec Curaçao au classement. Beaucoup de combativité dans la réalisation du troisième but et haïtien, vous pouvez nous l'expliquer? Mauvaise passe latérale, j'anticipe, je passe devant le joueur, contre-attaque. Le coach, comme il nous demande à chaque fois de jouer les contre-attaques à fond, Mika il y croit, je lui mets le ballon un peu trop loin, mais il y croit quand même. Il ne peut pas frapper, il centre pour la blessure qui se jette au deuxième. Et j'étais content parce que ça a été une réaction après un but encaissé où on a un peu dormi. Mais la prochaine fois, il faudra plus qu'on soit dans l'action que dans la réaction. Mais voilà, dans l'ensemble, le job a été fait, donc c'est ça l'important. Nazon, maintenant, après c'est le match, on va mettre le cap fort pour la Ligue des Nations avec l'objectif de remonter en Ligue A et de qualifier l'équipe pour la Gold Cup. Qu'en pensez-vous? Tout le monde est concerné. Aujourd'hui, on a un groupe qui est très élargi. On a pu le voir aujourd'hui avec plusieurs changements. Tout le monde aura sa chance, on doit tous être unis. Et en même temps, je pense qu'on va envoyer un bon message au pays. C'est notre slogan, l'union fait la force. Du coup, on va essayer de leur montrer une belle preuve d'union pour pouvoir remonter en Liga. Je pense que c'est là-bas où est notre place. Donc, il va falloir le prouver dans les matchs dès septembre. Comme vous dites, vous venez à Belouze, cela ne vous fait pas défaut?
Bien sûr, en tant que joueur de foot, nous, on a l'habitude de jouer sur des terrains en herbe, des bons terrains et tout, etc. Après, voilà, là, c'est du synthétique, il faut s'adapter. On doit s'adapter très rapidement. On a eu la chance que la logistique a été prise en main par le staff avant qu'on arrive. Du coup, on a tout fait sur place. On s'est entraîné aussi sur le terrain de match. Donc, ça nous a pas handicapé. Mais bien sûr qu'on doit s'adapter à ça. Et voilà, on est des professionnels. On doit s'adapter peu importe le terrain. Vous avez marqué 37e golo face à l'équipe Saint-Lucia. Vous êtes plus amplié à continuer à marquer l'histoire et football haïtien. Je suis content parce que me fait 30e goal moins pour Haïti. Donc on a son gros histoire d'amour entre Haïti et moi-même, avec des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qui est le principal. Je pensais que Pibel Kado que Mkabaï dans mon pays, c'est en qualification pour Coupe du Monde, non. Donc c'est un objectif personnel, bien sûr, c'est sûr, mais qui reste après l'objectif collectif, qui est une récompense pour tout le pays et c'est une récompense sans précédent, bon, déjà en 1974, mais je pense qu'il n'y a rien de plus beau que participer à une Coupe du Monde pour un pays. Ah, c'est long, mais... Et ça fait 50 ans, maintenant. Oui. 52, bientôt, oui. En 2026. 52, 2026. Nazo, qu'est-ce que tu as fait selon vous-même pour être capable d'arriver pour qualification? Jean-Moi, dis-nous, à chaque fois, on a parlé par exemple avec coach là, moi évoqué situation que nous t'ai gagné en 2019, nous t'ai gagné en groupe qui était vraiment soudé et c'est sous aspect ça que vraiment notre travail, je dis, tout le monde vraiment focus et notre travail sur un groupe, si nous gagnons un groupe, franchement, on pensait que nous allons loin, si tout n'est concerné et puis tout staff là travaille pour mener quelques autres joueurs, so, tout le monde est concerné, faut que tout le monde bataille pour Placio et puis à la fin, c'est pour Haïti qu'on a bataille, c'est on espère qu'on a fait. En parlant de groupe, il y a un nouveau joueur qui est arrivé. Et comment nous, même comme anciens, vous facilitez l'intégration? Tout le monde bien intégré, nous intégrés. Nous sommes un groupe qui est facile à vivre. Il y a une belle ambiance. Franchement, moi-même, j'ai envie peut-être 3 générations avec la sélection nationale là. Et c'est une plus belle ambiance que moi depuis là. Et je suis vraiment content. Kounyala m'a vu représenter Haïti. M'a plus content qu'avant. Avant, j'étais content, mais là, il n'y a qu'un moins plein. So, tout n'est bien intégré et nous avons de belles joueurs d'avenir. So, vraiment content de tout n'est. On s'excuse auprès du coach. Nous avons l'habitude de nous parler en créole. C'est pour ça qu'on a changé de mot. Je commence à le comprendre. Je ne le parle pas encore. Excusez. The accent in Barbados, it's not easy, but I will try to understand. Okay. In last year's nation.